Bonjour à toutes et à tous, je suis Raulus et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau let's play, la suite de Phoenix Wright Ace Attorney, donc Justice for All. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura deux nouveautés. Premièrement, ça se voit peut-être, mais j'utilise un nouvel animateur, c'est Desmume 09.10 en 64 bits pour ceux qui veulent savoir. Donc le son est mieux et les graphismes sont un peu plus colorés. Et je vais essayer aussi de faire un nouveau style. C'est que là, je joue en écran superposé style DS, mais j'essaierai au montage de vous mettre ça sur un côté de la vidéo et de vous mettre sur les trois quarts l'écran l'action principale. J'espère que vous m'avez compris. J'ai fait les réglages, normalement ça devrait marcher. Et je vous demanderai franchement d'être honnête et de me dire dans les commentaires si vous aimez ce nouveau format, si l'émulateur marche bien, si au niveau du son il n'y a pas de problème. Bref, merci d'être indulgent. Sur ce, on va commencer la nouvelle partie. Vu que j'ai fait quelques tests, je sais un petit peu ce qui va se passer au tout début, mais je suis pas allé très très loin. Donc on commence. L'épisode 1, la volte-face perdue, c'est parti, je vous laisse avec la cinématique. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu la musique, il s'agit de Toccata et une fugue de Ludwig van Beethoven. Merci Wikipédia et le joueur du grenier. Et nous sommes assommés. Et bien sûr, comme on est assommé avec le titre d'épisode, c'est la volte-face perdue. Je vous le dis tout de suite, on va être amnésique. Rapprochement. Obviously. Je ne sais pas si j'ai dit, mais il se peut qu'il y aurait quelques ralentissements au niveau de la musique. Je sais pas si c'est normal ou pas, faudrait que je regarde sur le rendu final. Je suis désolé si ça s'entend. Mais qui es-tu? C'est comme si j'avais reçu un canapé sur la tête. Ça fait très très mal. D'ailleurs, pourquoi? D'ailleurs, oui, j'ai fait quelque chose de mal en fait. J'essaye de jouer le jeu, même si j'ai fait le début. Que je vais faire de mal par contre, ça va être autre chose. Pourquoi te sauverais-je la vie? J'ai un fait. Pourquoi, Phoenix, tu fais des promesses en l'air? Pourquoi? Ça sert à rien.
Mais dans quel plan, idée, stupide, je me suis mis? Pourquoi? Bon, je vais passer pour un con, mais... Tu es qui? Donc tu es verte de peur. Ça va, verte de peur? Ouais. Des fois je les envoie chier. Des fois je pense faire des trucs avec eux. Et des fois je les aime pas. Bon, première question. Je suis quelqu'un, c'est sûr. Mais qui? Je dois être amnésique. Merci, Captain Obvious. Je pense que tu étais bourré. Tu es toujours dans une... C'est soit t'es bourré, soit tu regardes ailleurs, soit tu lis. Ou tu regardes le samouraï d'acier. On va pas se réveiller, on n'est pas sorti du sable. Suis-je prêt? Non, je suis pas prêt du tout en fait. Bon, tant pis. Juste évite. Comment tu veux faire les juste évite? Pour être juste, il faut prendre son temps. Et pour aller vite, faut que ce soit bâclé. C'est contradictoire. Alors les deux en même temps. Et bah c'est dur. Tiens, voilà le boulet. Boulet AY, hein, pas ET. Même si ET ce serait beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais à ce policier? Moi et Justin. Non. C'est. Ah non, c'est Dustin. Comment il vous trouve? Attendez, juste. Maggie l'oiseau, ok, pas de jeu de mots, ça va. Dustin Prince, pas de jeu de mots, ils ont raté le jeu de mots. Victor Boulet, j'espère que à l'affaire 2, enfin l'épisode 2, ça va, ils vont mettre des jeux de mots partout. Fé, monsieur Wright. Oui, moi aussi, je voulais jamais te voir. J'ai pas vieilli, enfin, j'ai peut-être pris un an, et encore. Eh ben si, détective. Ça compte pas. C'est un jeu de mots classique. Non, ouais, classique, c'est vite dit. Oh mon Dieu. Que s'est-il passé? Le parc Alain Glaise ou Glise. On fait un effort sur les musiques du jeu, ils les ont toutes changées, je pense. Ils ont pas gardé la musique épique.
et j'ai reçu un rapport d'autopsie. C'est une excellente question. Les rapports d'autopsie, ça sert à rien. Moi, je fais juste un regard dans le corps. J'ai un mentaliste de ouf. Ouais, c'est une très belle photo, en noir et blanc. Quand est-ce que vous allez investir dans la couleur? Je sais pas, ça me semble évident. À moins que les cartouches couleur au Japon soient trop chères. C'était pas une blague raciste. Ça y est, j'ai envie de faire une blague raciste. Nom de Dieu. Sur la couleur, photo au Japon. Voilà. Je suis jamais professionnel. Moi, je fais ça à l'arrache. Je découvre des trucs tout seul et complètement pif et je parle des fantômes. Des fantômes avec de gros yeux qui me regardent droit. Des boutons de dossier. Si seulement dans la vraie vie il y avait un bouton de dossier. C'est seulement. D'accord, le bouton dossier. Alors, ceci, c'est mon téléphone. À 18h28 précise. Contusion et fracture du cou. Je dirais un portefeuille. Des lunettes. À vous. Tu les as pétés. Ah bon. Alors comment se fait-ce qu'elle soit sur les lieux du crime? Une coïncidence. Un élément décisif. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce? La déposition du témoin. Putain, même la musique du témoignage, j'ai changé. Elle est plus relaxante. C'est censé te mettre la tension quand même. Alors déjà, première chose. Quand tu fais une chute et une fracture du cou, en général, t'es mort direct. Il est légèrement difficile d'écrire quelque chose. Mais bon, après, j'y connais rien au corps humain. Donc je ne peux pas... je ne peux rien dire à ce sujet. C'est ce que je pense. Mais oui, c'est clair. Ah ouais. Le contre-interrogatoire. Mais qu'est-ce donc? Est-ce que je lui pose des questions? Ils osent mentir. S'il y a des choses que je déteste, c'est le mensonge et les gens qui font youhou dans les aéroports. Voilà, j'ai casé ma petite référence personnelle.
Il faut trouver qu'il mente. Ah ouais? Tu peux préciser à ce sujet? D'ailleurs, les barres d'interrogation ont été remplacées par une espèce de barre de vie. Pourquoi? Ah ouais, t'en es sûr? On peut lire Maggie. Effectivement. Bon bah, tant pis. Quelque chose de... pas très clair, même de très sombre. Et maintenant je fais quoi? Ma technique. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu peux m'expliquer? Présenter des preuves. Oui, ça c'est simple. C'est simple aussi pour l'instant. Non. Ah, alors la nouveauté, on peut présenter le profil des protagonistes. Mettons encore plus de difficultés dans le jeu. Bon, d'accord, bah j'ai compris, hein. Alors, non, non, non. Voilà. Je présente un profil, celui de Maggie l'oiseau. Alors, est-ce que mon micro marche sur Desmond? Objection! Va te faire foutre. Objection! Voilà. La musique s'est arrêtée, je rappelle la règle. Une preuve que tu présentes, la musique s'arrête. C'est bon. Mais pourquoi je tends le doigt? Je suis en pleine réflexion sur moi-même. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Aurais-je découvert le nombre d'or? Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Vous me décevez, Capcom. Allez, réponds. Ah ah, tu t'es fait avoir. Ne c'est pas Maggie l'oiseau, mais Maggie l'oiseau. Et viens le comprendre. Et ouais, attention, on ne confond pas. Non mais toi t'es débile, hein? Voilà. Y a pas de mais. Tu te fous de moi en fait, c'est ça. Voilà, donc si au bout de 20 ans, toi tu sors avec une personne, tu sais toujours pas écrire son prénom correctement. C'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Après voilà.
Alors, as-tu quelque chose à dire pour ta propre défense? C'est complètement con vu que c'est un représentation, vu que c'est le représentant de l'accusation. Et en plus. Allez, vas-y, balance. Balance des noms. Destin. Putain, ce nom de... Oh, c'est trop kawaii. Je ne redirai plus jamais ce mot de ma vie. Oui? C'est tout? Ouais, attention, tu mets trop de laine dans tes mots. Tu vas devenir fou, toi. Il y a eu cette tragédie. Je m'en souviens comme si c'était hier. La guerre du Vietnam. T'as jamais fait le Vietnam. Ça change rien, j'aurais pu. Oui, ça je m'en fous en fait. C'est pas ça d'intéressant. C'est pas ça non plus. Ça je m'en fous, Je m'en fous. Voilà, ça c'est intéressant par contre. Un cadeau. Pas savoir ce que ce qui se gratte, mais je le harcèle pas, je lui pose des questions, Si je te dis un gros fake, est-ce que tu vas aller te faire foutre? Il y a plus de 2 mois, ça fait beaucoup. Un gant. Waouh! C'est incroyable! Ça, c'est du cadeau. Offrez un gant à votre copain ou copine. Un gant de baseball, d'accord, j'ai rien dit. Un grand baseball. Je vais continuer d'insister. On ne sait jamais. Et je sais bien que tu l'as dit. J'essaie juste de me répéter pour être sûr. Tu vois, sur mesure. Bah, j'aimerais juste voir ce grand en fait. Oui, tout à fait, on ne sait jamais. Car un grand peut tout dire. Même si techniquement ils ne peuvent pas parler. Et la musique s'est arrêtée. Alors attention, je suis sérieux. Merci. Quoi? Mais c'est pas possible d'être aussi stupide. En même temps, lui, il garde toujours des trucs et il se dit, oh tiens, une bouteille de canette qui est trouvée près du lieu du crime. Ça ne servira jamais, mais je vais quand même le prendre. C'est moche. C'est très très moche. Parce que... 3 petits points, oui. Oui, ça s'entend et ça se voit, yeah, j'espère. Et moi je dis que... Peut-être. Je n'en sais rien, mais c'est peut-être lui.
Le mot est dans le sable. Tiens, même la musique elle a changé pour dire à quel point il y a de la tension. Oui. De la main droite. De la main droite. De la main droite. De la main droite. Main droite. De la main droite. De la main droite. Là, le micro t'as intérêt à marcher. Objection. Et c'était pas le bon bouton. De la main droite. Main droite. On s'en fout. Elle est où la main droite? Bon. Oui, c'est bien. Main droite. Ça y est. Ça y est, tu réfléchis un peu dans ta tête. Non, toi tu la fermes. Non, tu te tais. De la main droite, est-ce que tu es sérieux dans ta tête? Qu'est-ce que ça prend? Eh ben, voilà. C'est débile. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est ça. Maggie, l'oiseau, est potentiellement innocente. Potentiellement. Et ouais. Et... impossible. Eh ben si. Voilà, est-ce que tu as autre chose à sortir de ta manche? J'ai trop de skill, tu peux pas test. Je sens un retournement de situation. Ah ouais. Oh mon dieu, un retournement de situation. Et sans musique. Ah, ça c'est la musique de suspense qui te dit t'es dans la merde. Tu n'as pas terminé? Mais pourquoi? Ah mon dieu, un deuxième témoin. C'était presque impossible. Ah mon dieu. Mais cela voudrait tout dire. Que je m'enfonce en fait. Ok, suspension. Comment tu vas la suspendre? Oui, ça fait des blagues de merde. Même l'épisode 1, il y a un suspense de fou, tu vois. Dès l'épisode 1, quand même. Ok.
Qu'est-ce que c'était que ça? Putain, dès l'épisode 1, il y a un suspense de fou, tu vois. On te met dans l'ambiance directe. Eh ben, j'espère que cette première épisode de Phoenix Wright et Saturday Justice for All vous aura plu. Si vous avez aimé, donc un petit like, commentez si le nouveau format de vidéo vous plaît. Si vous avez remarqué qu'il y a quelques petits problèmes au niveau du son du jeu, j'en ai remarqué quelques-uns, donc je vais essayer de faire mon possible pour faire en sorte que cela se passe mieux. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos, de regarder si vous n'avez pas suivi Phoenix Wright et cette année premier du nom que j'ai fini, je mettrai quelque part par là, de me suivre sur Twitter @israelus1. Bon jeu et à la prochaine.